première expression, prendre les jambes à son cou. Eso significa huir. Par exemple, les voleurs ont pris leurs jambes à leur cou avant que la police n'arrive. Deuxième expression, se serrer les coudes. Significa ser solidario. Par exemple, les Français se serrent les coudes quand il y a une cause nationale à défendre. Troisième expression, toucher du doigt. Eso significa entender algo específico. Ya empezar a entender. Por ejemplo, je commence à toucher du doigt ce concept philosophique. Quatrième expression, se tourner les pouces. Eso significa no hacer nada. Por ejemplo, votre fils se tourne les pouces en classe. Il faut qu'il se réveille. Il doit travailler. Quinta expression, avoir la langue bien pendue. Eso significa que una persona dice cosas que no tendría que decir. Cosas secretas. Por ejemplo, Jeannette a la langue bien pendue. On ne peut rien lui confier. Sixième expression, avoir un œil au beurre noir. Eso significa tener un ojo morado. Cuando nos hemos peleado, por ejemplo. Entonces, un exemple. Simon s'est bagarré et maintenant il a un œil au beurre noir. Septima expression, mettre sa main au feu. Eso significa que estamos tan seguros de algo que podemos hasta sacrificar una parte del cuerpo, esta parte de la mano pues. Par exemple, je suis certain que le résultat est correct. Je pourrais en mettre ma main au feu. Octava expression, dormir sur ses deux oreilles. Eso significa tener la conciencia tranquila. Por ejemplo, je n'ai rien fait de mal. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Novena expression, nez à nez. Eso significa que vamos a encontrar a una persona así directamente y especialmente a una persona que no queremos ver. Por ejemplo, je me suis retrouvé nez à nez avec lui. Décima expression, jeter un œil. Eso es cuando miramos algo para informarse, informarnos. Par exemple, jette un œil à cet article. Il est intéressant. Espero que les haya gustado este video. Pueden dejar en comentario una expresión típica de su país con una parte del cuerpo humano. Con el sentido para que podamos entender. Muchas gracias, nos vemos pronto. Salud.